Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur l'ouverture de boîte de ce jeu qui vient de sortir chez Lucky Dog Game. J'ai nommé Dog Park. Alors, c'est un jeu familial plus, pour les amoureux d'animaux, surtout de chiens. Voilà, donc là, c'est la couverture de la boîte de base, parce que vous retrouvez déjà des petites extensions sur les chiens européens, par exemple, ou même les chiens connus, genre Beethoven, Lassie, enfin les chiens comme ça, pardon. Donc, c'est un jeu édité donc chez Lucky Dog Games et Birdwood Games. Voilà, donc ça c'est le devant de la boîte. Là on a les côtés, je vais vous montrer parce que les illustrations des animaux sont plutôt sympas. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, comme vous voyez, pour 10 ans ou plus et des parties d'environ, alors je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de le rapprocher, voilà, 40 à 80 minutes, la durée de partie. Derrière, voilà l'arrière de la boîte, alors on va éviter de mettre le prix, pardon, je vais même l'enlever. Hop, je viens de l'acheter, donc voilà, c'est les aléas du direct, je suis tellement pressé de l'ouvrir et comme je veux l'ouvrir avec vous, que j'ai oublié d'enlever le prix. Donc on va le faire tout de suite en vidéo, tant pis. Voilà. Voilà. Hop. C'est fait, c'est rectifié. Donc voilà, donc l'arrière de la boîte. Donc vous voyez, le but du jeu, ça va être de promener son chien sur le plateau, de ramasser, je pense, des objets et de promener des chiens. Donc vous avez 163 cartes de chiens uniques, hein. 4 plateaux chiens en laisse, un plateau de jeu, donc ça doit être le grand plateau, 8 pions promeneurs et marqueurs réputation en bois. Sérigraphié, donc c'est du bon matériel, je pense. 100 jetons ressources en bois. Un jeton premier promeneur en bois, pareil, sérigraphié. Un marqueur de tour oiseau en bois sérigraphié. 50 jetons promenade. 50 jetons réputation, exploration, échange et blocage. Alors pourquoi je ne sais pas, je vous avoue que je suis juste en admiration devant la beauté de la boîte, que j'ai même pas regardé encore les règles du jeu. Mais bon, tant pis. 4 cadrans d'offre, un dé en bois auto-promeneur, 8 cartes aide de jeu, 4 cartes objectif solo. Donc ça, c'est bien parce que ce jeu se joue en solo. Donc peut-être que je ferai une partie sur la chaîne. 16 cartes bonus de lieu, 10 cartes objectif, 11 cartes tendance, 7 cartes expert, un bloc de score de 100 pages, bien sûr. Et un livret de règles. Enfin voilà. Donc voilà. Donc ils nous mettent sur la boîte. Choisissez vos chiens préférés pour les promeneurs, pour les promener, pardon, au parc dans un jeu de plateau aux mécaniques multiples. D'accord? Vous et vos amis, vous êtes lancés le défi de rendre heureux les toutous de votre quartier en sortant les promener dans le voisinage. En 4 tours, devenez le meilleur dog-sitter du coin en accueillant les plus beaux chiens de votre chenil, dans votre chenil, pardon, en les amenant au parc et profitez-en pour faire concurrence aux autres promeneurs. Choisissez soigneusement vos chiens et vos parcours pour acquérir la meilleure réputation, gagner la partie et prouver que vous êtes le promeneur de chiens le plus accompli de tous. Eh ben, dis donc, tout un programme! Donc voilà, donc bah écoutez, on va regarder également, voyez, les côtés de la boîte. Donc ça, c'est un beagle. D'ailleurs, des fois, vous entendez mon chien aboyer sur les vidéos. Et bah voyez, c'est cette race-là, ma chienne Roxy. Voilà, c'est un beagle. D'où les hurlements que vous pouvez entendre quelquefois quand elle aboie. Voilà, donc ça, c'est les côtés de boîte. Donc c'est les mêmes. D'accord. Bon bah écoutez, sans plus attendre, on va ouvrir ce fameux jeu Dog Park et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors cette fois, j'ai préparé le couteau pour ouvrir la boîte. Ça va être plus simple. Ok, allez, on enlève le plastique.
hop, on va mettre ça derrière. Voilà. Alors, ok. Bon, elle est quand même assez lourde la boîte. Hein. Il doit y avoir du... Enfin, comme on l'a vu d'ailleurs, comme on l'a lu, il y a du matériel. Donc voilà, on va poser ça ici. Là, ça reflète, c'est un peu agaçant. Voilà, on va poser ça là. Donc quand on ouvre, on a ça. Donc on a le livret de règles, avec une illustration plutôt cool. Alors, d'accord. Donc là, on a un petit peu le matériel du jeu, avec les jetons en bois, d'accord, chien et promeneur, ok. Les dés, d'accord, les plateaux. Ok, la mise en place. D'accord. Ok. Mise en place des joueurs. Ok. Ensuite, base du jeu, prix expert, carte bonus de lieu, carte tendance, aperçu d'une carte chien. D'accord. Aperçu de la mécanique du jeu. Ok. Bon, y a quand même de quoi lire un petit peu. Hein. Alors ensuite, nous avons l'exemple de recrutement. Donc, on va pouvoir recruter sûrement des chiens. Pardon. Il y a des exemples. Non, la règle a l'air plutôt claire. Enfin, après, c'est premier aperçu. La promenade avec toujours des exemples. Donc, OK. D'accord. Le retour à la maison. OK. Donc, c'est en plusieurs phases. Hein. Apparemment, 4 phases. Hein. OK. Le décompte final, les règles de jeu solo, d'accord. Donc, il y a quelques petites choses qui changent quand même, parce que ça fait quand même une page et demie, j'ai l'impression. Un index, d'accord. Et une FAQ. Ok, et je pense qu'on doit avoir peut-être, je vais mettre ça là, des petites cartes d'aide de jeu, je crois, hein, ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc ensuite, on a un peu de dépunchage. D'accord, donc là, ça a l'air d'être des colliers, des laisses. D'accord, il y a des tokens, ok. D'accord, alors ici, ça, on va décaler un petit peu ça. Ça, il me semble que c'est sûrement le plateau central. Alors, on va l'ouvrir pour regarder un petit peu ça. Bah écoutez, ça a l'air très bien et très grand. D'accord, ça prend de la place quand même. Hein. Je voyais ça un peu plus petit. D'accord. Ouais, il prend bien un plus du quart de mon tapis de jeu, hein, Vogamat. Ok, bon, bah, le plateau donc, qui est juste recto, hein, il n'y a pas de recto verso. On va récupérer la boîte. Et donc, on a également, alors ça c'est bien, ça c'est pour les tokens, des petits ramequins en forme d'os, pourquoi pas, hein. Écrit Dog Park dessus, vous voyez, là, c'est plutôt sympa, ok, donc il y en a deux, voilà. À côté de ça, donc on va continuer avec les petits, je crois que ça, ça doit être les plateaux joueurs. Ouais, vous voyez, c'est les plateaux joueurs, donc c'est de 1 à 4. Donc on a 4 petits plateaux joueurs à différentes couleurs. Donc le vert, ok. Je crois que c'est plutôt peut-être même comme ceci, voilà. D'accord. Donc on va les mettre dans le bon sens. Le rouge ou orange, voilà. On a un rose rouge. Violet, je sais pas trop, on verra la couleur des personnages. Et ici, jaune ou rouge, ouais, je sais pas. Enfin bref, il y a différentes couleurs, ok. Alors ensuite, on a, dans le bon sens, le petit carnet de score, pour noter ça, ok.
Ah, on a les petits tokens chiens. On va les ouvrir tout de suite pour regarder ça. Donc, il y en a 4. Donc, voilà les couleurs. Donc, on a bien du rouge. Vous voyez, ils sont sympas. Je vais les poser. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc là, le vert. Donc c'est une sorte de mauve violet. Vous voyez? Bleu même, je ne sais pas trop. Et jaune. Voilà, donc ça, c'est les petits tokens chiens. Ok, très bien. Ah, c'est du matériel plutôt joli, hein. Je pense que pour rentrer dans les... Enfin, pour s'initier aux jeux de société moderne, je pense que c'est plutôt un bon jeu. Donc, on va enlever leur petit truc, là. Voilà. Donc, à côté de ça, on a des petits tokens. Alors, on a ceci. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, à l'envers, on a une pieuvre. Voilà. On a du bois. Une petite branche. Ok. On a des nonos. Voilà, des petits os comme ça, c'est plutôt cool. Et on a également, donc le dernier, ça doit être, je pense, peut-être un marqueur token ou une balle, je sais pas trop. Voilà, un petit rond comme ça, orange. Voilà, donc on en a toute une petite palanquée. Je pense que c'est pour mettre dans les fameux rangements en forme d'os. Vous voyez, il y en a un petit sac hein, quand même. Hein. Ok. Ensuite, alors on a ça. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. On verra ça plus tard. Je dirais que c'est comme s'il y avait des molettes. Donc ok. On a alors les promeneurs. Donc il y en a également de différentes couleurs. On va les regarder plus près. Alors, les promeneurs. Voyons ça. Accompagnés de leur chien. Donc, on a un de cette couleur-là. Alors, je me permets, je les enlève des sacs pour vous montrer ça. Donc, déjà, voilà. Le jaune. Ils sont recto. Enfin, ils sont des deux côtés, hein, comme vous voyez. Et c'est assez épais. Hein. Ok. On a la couleur ici. Ok. Et on a également les deux autres. Alors, j'enlève ça. Et je vous montre. Voilà. Donc, on a deux dames et deux messieurs promeneurs. Vous voyez ? Là, c'est les messieurs. Et là, on a les dames. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Vraiment très, très bien. Ok, donc je range les petits tokens dans les sachets qui leur sont dédiés pour le moment. Ok, ensuite on a un dé et un jeton token en bois oiseau. Alors déjà, le token oiseau, ça marche, super. Et le dé avec des pattes dessus. D'accord, une patte, deux, trois, et ça va jusqu'à trois, j'ai l'impression. Eh non, quatre pattes. Ok, bon, super, sympa. Très bien. Ah, on a encore... Ah oui, d'accord, alors ça, c'est un gros pion, un gros jeton, pardon. La niche, voilà. Elle est vraiment sympa, hein. Alors, je ne sais pas encore à quoi ça sert. On verra ça quand je lirai les règles. Et j'espère vous faire une partie. Et donc, on va finir donc, par les cartes. Alors, on a un petit paquet comme ça. Ok. J'ouvre ça, je vous montre. Donc, chien de chasse. Chien courant. Chien de berger. Terrier, chien d'agrément, chien d'utilité, chien de travail. Et après, on a ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Petit
Les aides de jeu, je ne sais pas. Non, ce n'est pas les aides de jeu, je pense pas. Je pense que c'est peut-être pour le solo. Ok, je ne sais pas. Je regarderai tout ça dans la règle. Donc, on va les mettre ici. Alors, ensuite, on a un gros paquet de cartes ici. Alors, qu'on va ouvrir. Hop, on va regarder ça. Donc, alors attendez, je vais vous. Voilà. Donc, voyez un peu la carte. Agrément, terrier australien à poils soyeux. Écoutez, c'est très bien. Va chercher lors de la promenade avec ce chien, lorsque vous gagnez un os ou plus, gagnez une brindille de bois. S'active une fois par déplacement. Ne vous laissez pas berner par son pelage séduisant. Malgré son air inoffensif, il sait décimer les rongeurs. Eh ben écoutez, le petit Yorkshire, hein. Et ça, c'est le dos des cartes. Alors les cartes, c'est cool parce que là, elles sont tressées. Je sais pas si vous pouvez voir. Voyez, c'est tressé. Donc c'est de la très bonne qualité de carte. Donc on les regarde un petit peu. Ok, donc là on est. Ah, j'allais dire chez les petits chiens, et puis au final je tombe sur un. Ça ressemble à un Doberman, mais pas du tout. Mais non, c'est peut-être un petit chien en fait. D'accord, le Chihuahua à poil long. Le Carlin, alors ça c'est le chien de Men in Black, ils me font trop rire avec leurs gros yeux ceux-là. Le Pinscher. Un Pékinois. Ok. Ah, alors ça c'est le chien préféré de mon frère. Il se reconnaîtra, Julien, je t'embrasse. Donc le chien chinois à crête. Voilà. Donc ça me fait beaucoup rire. Ok. Un lévrier, un épagneul papillon. J'aime beaucoup ces chiens-là. D'accord. Alors là, on est plus dans les chiens de chasse. On va sûrement trouver ma chienne. Chien d'arrêt, non, c'est pas ça. Ah, on va pas la trouver. Allez, un petit beagle. D'accord. Ok. Il y a quand même une sacrée quantité de cartes et bien sûr unique. Ok, donc là, c'est les premières cartes. D'accord. On va continuer. Cocker. Ok. Alors, les chiens courants. Elle est peut-être là, la mienne. D'accord. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de chiens. Hein. Avec, je pense, des capacités différentes, hein, des pouvoirs, entre guillemets. Hein. Ok. Bon, moi, je crois qu'on va pas. Ah, si, la voilà, ma chienne, le Beagle. Assise, comme je lui dis souvent, elle se met dans la même position comme un humain. Ça me fait beaucoup rire. Voilà. Bon, allez, on continue. Le berger australien. Comme mon frère et ma belle-sœur. Ok. D'accord. Il y a quand même pas mal de cartes. Hein. Ah oui. C'est du beau matériel hein, dans ce jeu. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier paquet de cartes avec le dos. Donc le berger australien qui est sur la couverture. Du jeu. Et donc, on a pour finir à nouveau un énorme paquet de cartes qu'on va tout de suite s'empresser de regarder. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Je vais vous montrer petit paquet par petit paquet, entre guillemets. Donc, à nouveau des chiens. Voilà. Ok. C'est plutôt sympa. En plus, les illustrations comme ça, le bull terrier, là, tête de requin, je les appelle ceux-là, moi. Au crayon, je trouve vraiment ça ultra cool, quoi. C'est super sympa. Ah, le caniche. Alors là, c'est comme le chien de mes parents. Caniche toy, même, voilà. C'est celui-là. Moustique. Ok. Un Sharpei, un bulldog, ok. Un Shiba Inu.
D'accord. Doberman. Voilà. Voilà, je vous montre vraiment les cartes, hein, pour que vous voyez la beauté de ce jeu. Allez, on finit avec ce paquet-là. Un Yuski. Ok. Chien du Groenland. D'accord. Bah, c'est bien parce qu'en même temps, c'est éducatif. On voit. Ah, le boxer. Et bien là, c'est le dernier chien de la famille. Mon frère a sa chienne Ina. Voilà, qui s'appelle, qui est un boxer. Voilà, on aura vu tous les chiens de chez nous. Ok. Donc là, c'était les cartes chiens. Et à côté de ça, on a des cartes comme ceci. Bonus de lieu. Bon. Donc, c'est les mêmes choses. Hein, ok. Donc, de différentes couleurs. Alors là, c'est expérimenté. D'accord. C'est des objectifs. Objectifs. Voilà. Ici. Plein d'énergie, ça c'est des cartes toujours objectif, ok. Et là, objectif solo novice, d'accord. Ça c'est pour le solo, ok. Objectif solo légende, eh ben je suis pas quitte d'avoir ça moi, d'accord. Et donc là, ça c'est des comptes, ressources, actions, ça c'est les aides de jeu. Avec ça, voilà, on a deux cartes pour les aides de jeu, voyez, face, promenade, nanan, ok, décompte des points. Ah ouais, très très bien. Et toutes les cartes sont de la même qualité, c'est-à-dire plastifiées, épaisses, très très bien, quoi. Donc je vais remettre ça en place là. Et bien sûr, regardez-moi ce... Tout est très bien fait, tout à sa place. Vous voyez la niche, l'oiseau, ça doit être d'accord. Ouais, tout à sa place dans la boîte. Hein. C'est vraiment très très bien. Eh bien écoutez, voilà. Donc j'essaye de remettre tout ça. Je ne sais plus comment c'était. C'est pas très grave. On va mettre ça. Ça devait être là. Voilà. Les chiens et ça c'était avec ok les os le petit carnet de score ah zut avant les os il y avait les plateaux de joueurs voilà vous voyez ça rentre vraiment bien ok et donc on a sans oublier qu'il faudra que je dépunche ceci. La règle du jeu en petit format, c'est pas plus mal. Hop, et voilà pour le jeu Dog Park, donc qui vient de sortir chez Lucky Duck Games et Birdwood Games. Donc c'est un jeu donc par Lottie et Jack Hazel et illustré par Holly Exley, Dan May et Kate Avery. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un matériel très très qualitatif. Après, je reviendrai vers vous peut-être pour faire une petite vidéo partie sur ce jeu avec Théo dès que ce sera possible. Et dans tous les cas, je vous donnerai mon point de vue. Sur ce jeu-là. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse là-dessus. Salut!